Chant d'action de grâce au Seigneur Jésus, maître des temps, c'est par là que l'école bilingue Christ SOC, en partenariat avec l'ONG Asevo Amour, lance la 5e édition de Christ Must Fashion Show, qui se veut être l'événement par excellence qui donne de la joie aux enfants à l'orée de la fête du Nouvel An, mais surtout pour la Noël. C'est la maison du peuple de Djegankwevi à Porto Novo qui a servi de cadre à ce moment de liesse collective entre promoteurs, encadreurs et parents d'élèves de l'école bilingue Christ SOC. Que ce soit les sections de poèmes ou que ce soit les sections de chorégraphie ou des sections d'interprétation, voire de défilés de mode et mieux encore d'artistes invités, le tout était si bien soigné qu'aucun parent n'a pu cacher sa satisfaction. J'avoue que c'est la première fois que je participe à un événement en fin d'année comme ça avec les enfants, avec une remise de cadeaux. Mes impressions sont très bonnes et parce que j'ai lu la joie dans les yeux des enfants. Tous les enfants sont heureux et nous les parents aussi nous sommes heureux de voir cet événement, de voir nos enfants heureux et autres. Je dis un grand merci à la Fondée qui fait beaucoup pour les enfants. Et elle témoigne beaucoup d'amour et on le sent, et on voit les joies dans le visage des enfants. Je la remercie, que Dieu la bénisse. Je bénis aussi les enseignants et toutes ces personnes qui s'occupent de nos enfants et qui veillent sur eux, pour leur bien-être. Comme on le dit, Merry Christmas et Happy New Year. Vraiment, je suis très ému parce que c'est pour la première fois que j'ai assisté à une telle chose. Et je suis vraiment content pour d'abord l'organisation et aussi je remercierai vraiment la fondatrice pour l'aide et tout le soutien qu'elle nous porte parce que je ne m'y attendais pas. C'était vraiment merveilleux. Et nous, parents, nous le remercions beaucoup. Et que Dieu la bénisse abondamment. Nous ne cesserons jamais de remercier aussi les encadreurs, parce que sans eux, on ne serait assisté à un tel spectacle. Les enfants nous ont vraiment étonnés. Vraiment, on voit qu'on a des génies. Et comme ça, je crois qu'on aura un bon avenir. Et ce serait bien. Pour la fondée de l'école bilingue Christ SOC, cette initiative dans laquelle elle a investi du temps, de l'énergie et des ressources financières, à un objectif bien précis. Pour moi, c'est une manière vraiment de semer la joie dans le cœur des enfants et pour les rendre épanouis. Parce que souvent, les parents n'ont pas le temps et d'autres particulièrement pour pouvoir faire épanouir les enfants, les faire sortir, n'ont pas le temps du tout. Et c'est un plaisir en fait de faire épanouir ces enfants. Et nous remercions tous les parents qui ont assisté, tous les parents qui ont quitté de loin pour soutenir cet événement. Nous leur disons infiniment merci. Et que Dieu nous prête vie à voir la nouvelle année. Il faut rappeler que l'école bilingue Christ SOC est située à Porto Novo, dans le sud du Bénin.